Aujourd'hui, la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme à Dinan. Les membres d'une association marchaient cet après-midi sur les remparts pour faire connaître une méthode franco-américaine qui permet aux enfants de progresser dans leurs apprentissages et sortir de leur bulle. Karine Sever, Enfante Minute. Chaque jour, avec une bénévole, Flavien passe 4h30 dans cette salle de jeu spécialement aménagée. Autiste, ce garçon de 12 ans bénéficie de la méthode 3i depuis mai 2015. Pour lui comme pour sa maman, il y a clairement un avant et un après. Comment tu te sens depuis que tu fais ça ? Bien. Mieux qu'avant ? Qu'est-ce qui a changé ? Est-ce que tu sais ? Je me mets plus en colère. Alors le plus flagrant, ça a été la gestion des colères. Parce qu'à une époque, si les choses n'allaient pas comme il voulait, il se fâchait, il pouvait taper, se faire mal, faire mal aux autres. C'est assez impressionnant quand même. À l'école, l'équipe enseignante a été très impressionnée par certaines crises. Et ça, on n'a plus. Ouais, ça nous a pas sauvé la vie, mais changé la vie. Stimulation interactive, individuelle et intensive sont les trois clés de cette méthode basée sur le jeu permanent. La permanence du jeu évite à l'enfant de retourner trop longtemps dans son monde, dans son isolement, dans ses stéréotypies. Objectif, conserver à tout prix la communication avec Flavien. Il a pris un harmonica et va en jouer. Vous voyez, là, il s'échappe un peu, saute un petit peu sur le trampoline. Et qu'est-ce qu'a fait l'intervenante ? Elle a pris un autre instrument. Elle a pris un autre. Et rentre dans son jeu à lui. Immédiatement, il vient vers elle. Et là, le contact se reprend. Le regard est là et l'échange est fait. Pour assurer cette constante sollicitation, 25 personnes s'occupent de Flavien. Basée sur le bénévolat, l'association qui promeut cette méthode a donc grand besoin de se faire connaître. Convaincus, les familles n'ont pas hésité aujourd'hui à se mobiliser.